Bienvenue dans une nouvelle vidéo, dans une nouvelle journée. Aujourd'hui nous sommes samedi, alors on est déjà en fin de journée, j'ai pas vlogué de la journée, on a profité un petit peu, on est allé avec Gabin rejoindre ma copine Céline et la petite Juliette au parc Kidzy avec tous les jeux là où on était allé la semaine dernière avec Gabin. Et là, Gabin, il s'est tellement bien dépensé qu'il est crevé. Donc là, ça va être pyjama et dodo. Pyjama et dodo. Tu joues avec ton tigre? Voilà, donc on a passé une bonne petite après-midi avec ma maman qui est venue aussi. Après, on est rentré à la maison et on a profité encore un petit peu de la balançoire avec ma mère. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas filmé encore de la journée. Mais voilà, je voulais vous dire que c'était vraiment cool de passer des petits moments comme ça, en fait, emmener ses enfants dans des endroits où il y a d'autres enfants, j'adore, et puis Gabin il adore aussi. Tu joues avec ton tigre? Oh, oh, tu manges le tigre, oh. Et comment il fait le tigre? Il fait... Alors, comment il fait le tigre? Fais-le. C'est le tigre de ton anniversaire. Tu lui manges la queue. Oh, il va pas être content le tigre, hein. Il va te mordre, hein. Hello à tous et bienvenue dans une nouvelle journée. Alors aujourd'hui nous sommes dimanche et c'est la fête des mères. Donc c'est ma deuxième fête des mères, hein, Gabinou. Je pensais qu'elle allait faire une petite grasse mat pour la fête des mères, mais non. 8h, bon 8h c'est déjà bien, hein. 8h pétante, réveillée, debout, voilà, en pleine forme. Bon, moi je profite de lui plus longtemps aujourd'hui. Greg m'a offert ce bouquet hier, comme il est allé en course hier, il est revenu, il me l'a offert de suite du coup. On a retrouvé un gros vase comme ça, en fait on l'a mis dans un petit vase qu'on a caché dans un cache-pot comme ça. Voilà, comme ça, ça fait plus joli. Bon, je vous retrouve dans l'après-midi, direction la mairie de notre ville. On s'en va voter, c'est le jour des élections. J'ai mis une heure à rechercher, à retrouver ma carte d'électeur. Moi, j'avais toujours l'ancienne, en fait la nouvelle. Je savais plus où je l'avais mise et au moment de partir, j'ai trouvé. Donc c'est bon, go. Et toi, tu vas voter, Mathéo, quand tu auras 18 ans? Ouais. Ah oui, hein, quand tu vas avoir ta carte d'électeur. Alors pour la fête des mères, pour ma mère du coup, je vais lui emballer. Je lui ai préparé un petit swap avec des produits qu'elle aime bien. Donc en fait elle s'est pris un service d'assiette qu'on, voilà, on lui paye ça avec mon frère parce que c'est ce qu'elle voulait. Mais en plus pour, voilà, pour le fun, qu'elle ait des petits trucs à ouvrir, je vais lui emballer tout ça. Là on lui a pris ça pour la piscine, parce que là, elle met tout le temps une piscine gonflable aussi dans son jardin, avec un petit repose gobelet. Là c'est une bombe de bain Jewel Candle. Ici une bougie, des crèmes qu'elle aime beaucoup, la laque, c'est Madame Lac, alors sa laque L'Oréal. Voilà, des petits produits. Je vais tout emballer, je vais lui mettre dedans, je vais mettre un gros neuneu, comme ça, ça lui fera un swap à ouvrir. Hello à tous et bienvenue dans une nouvelle journée. Donc aujourd'hui, nous sommes lundi, début de semaine. Hier, nous avons mangé chez mes parents, du coup, et quand on est rentré tard, enfin, j'ai pas vlogué. Ce matin, j'ai reçu une petite commande que j'ai faite sur Amazon, ce body. Il est juste magnifique, du coup, je l'ai mis tout de suite parce que vraiment, il est trop beau, j'ai flashé. Donc body, alors j'ai mis un débardeur en dessous, mais voilà, un petit body comme ça, cache-cœur, tout doux, je sais pas, la matière elle est vraiment douce, j'aime trop, donc je vous mettrai le lien si vous intéresse dans la barre d'infos. Bon, hier j'ai mis sur mon vide-dressing Vinted pas mal d'articles et vous m'avez dévalisé en 5 minutes, franchement ça a été un truc de fou. J'avais à peine le temps d'ouvrir les messages que je recevais des notifications que tout était vendu. Il reste encore des choses mais vraiment j'ai vendu un max. Donc voilà, là je dois aller expédier tous les colis tout à l'heure. Il y en a déjà dans la boîte aux lettres quand c'est avec la poste. En fait j'aime bien faire le bordereau sur internet de mon ordinateur et ensuite je dépose le colis dans ma boîte aux lettres devant chez moi et c'est le facteur qui vient chercher le colis. Ça m'évite d'aller à la poste. Et voilà, Gabin il va aller embêter Izzy qui fait sa sieste. Le pauvre.
Pauvre chien, il t'embête. T'étais tranquille. Bienvenue dans une nouvelle journée. Alors aujourd'hui, nous sommes mardi. Hier, j'ai pas trop vlogué parce qu'en fait, je préparais ma valise pour aujourd'hui et je suis direction la gare. Donc, je vous ai mis un petit jeu sur Instagram et je vous ai demandé de deviner ma destination, là où je vais pour une journée. Enfin, je reviens demain. Et il n'y a pas grand monde qui a trouvé, hein. Franchement, sur toutes les réponses, il y a dû peut-être avoir deux ou trois bonnes réponses. Et c'est Bruxelles. Voilà, donc là je m'en vais en Belgique. C'est pas si loin que chez moi en fait. J'habite à la frontière, voilà, enfin dans le nord, on est vraiment pas loin de la Belgique. Là je vais rejoindre tout le monde du coup sur Lille. On prend tous le train à Lille. Du coup moi j'ai un train avant à prendre jusqu'à Lille. Et puis après je vais rejoindre donc Amélie Happy, donc c'est son agence qui organise ça, avec le magasin, enfin l'enseigne Lola Lisa, qui est une enseigne de vêtements. Donc cet après-midi on va aller à Bruxelles, donc dans un magasin Lola Lisa. On va choisir une tenue pour ce soir parce qu'on a une soirée en fait ce soir avec c'est là-bas, c'est la gare de Bille. On fait un tour de rond-point. On a une soirée ce soir avec en fait ça va être une soirée autour du thème des femmes influentes, des femmes comment on dit des femmes inspirantes, voilà c'est ça. Donc j'ai hâte de voir ça. Apparemment il y aura des prix remis à des femmes inspirantes et voilà. Ça va être vraiment une journée soirée filles-femmes, ça va être trop cool, faire du shopping. Et voilà, du coup je vous emmène avec moi. Ça va être un peu compliqué là de filmer dehors parce qu'il pleut à verse, je suis dégoûtée. On est presque au mois de juin, j'ai sorti ma grosse écharpe d'hiver, enfin franchement vive le nord quoi. Bon ça y est, bien arrivé à Bruxelles. J'ai retrouvé ma copine. Oui. Et on nous avait dit qu'il pleuvrait, et ben il ne pleut pas. En soleil. Ouais. Je devais avoir tout à l'heure. Oula, j'ai failli tomber avec les valises. Non, pour l'instant, grand soleil à Bruxelles, nous espérons que ça va durer. Ça y est, on vient d'arriver dans nos chambres. Bon, finalement, on a parlé trop vite parce que sur le trajet de la gare à l'hôtel, on s'est pris une averse. Mais bon, on avait prévu les parapluies et tout. Alors, donc là, la vue sur... Bon, en fait, on est dans le centre, hein, je pense, de Bruxelles. Donc, je vais vous montrer un petit peu la chambre. Voilà, un grand lit pour moi toute seule. Je suis trop contente. Ce soir, je dors en étoile. On a une petite télé, mais moi je regarde jamais la télé, donc moi qui ai des télés ou pas, même chez moi, franchement il pourrait ne pas y avoir de télé, je ne suis pas télé du tout. Et la salle de bain, est-ce qu'il y a la lumière? Ah oui, non, dans les hôtels il faut mettre les cartes pour avoir la lumière, bah oui forcément, ça c'est, j'y pense jamais. Donc ma petite carte là, hop, la lumière fut. Et donc là, voilà, la salle de bain, trop cool. Sèche-cheveux, génial, bon ça va, ils sont pas encore trop mouillés avec la verse. Bon, on a des petits produits, je vois qu'il y a du gel pour le corps, gel douche. Bon du coup je me dépêche parce qu'on a 10 minutes, là dans 10 minutes on doit être en bas, on a un van qui vient nous chercher pour nous emmener dans la boutique Lola Lisa. Donc voilà, je me dépêche, on va juste prendre un petit sac, on revient pas à l'hôtel en fait, c'est ça le truc. Donc faut déjà tout prévoir, par contre dans le magasin il y aura coiffeur et maquilleur, trop bien, on va s'occuper de nous. Donc je vais juste prendre peut-être mes talons pour ce soir et la tenue ben, je la trouverai dans le magasin. Non mais les filles, vous avez une heure et un budget de 75€ chez Lola Lisa. Ça fait vraiment reine du shopping avec le van et tout là. Ça y est, on vient d'arriver chez Lola Lisa. Alors du coup, c'est écrit en belge, en flamand. Je sais pas, open up Zondag. Voilà, j'espère que j'ai l'accent. Donc voilà, et apparemment c'est les seuls, donc je vois des petites affiches, on va aller voir l'intérieur. Donc ça va être difficile de choisir une tenue parce qu'il y a vraiment pas mal de belles choses. Là j'adore ce sac, là il est magnifique.
choisi ça. Donc là, c'est une combi short avec les manches un peu volantées. Voilà. Et puis cette veste, alors la veste elle est vraiment trop belle. Je sais pas si vous verrez bien en caméra. Voilà, là, des petits reflets avec les petites bottines que j'avais prises déjà dans ma valise en fait, parce qu'elles viennent du magasin Lola Lisa. Bon, j'aurais bien mis des trucs genre dorés ou clairs pour rappeler la veste, mais il n'y avait plus ma taille ici niveau chaussures, donc tant pis. Du coup, je mets celle-ci. Voilà, je trouve que ça fait pas drôle quand même. Donc c'est parti, maintenant on s'en va à la soirée. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Je verrai si je peux filmer, etc. Donc, ah oui, j'ai pris les boucles d'oreilles aussi. J'ai pris ces petites boucles d'oreilles là. J'aimais vraiment beaucoup. Voilà. Après la soirée, Lola Lisa, c'était vraiment génial. On va aller se coucher parce qu'il est presque minuit. Et demain, je vais encore filmer la matinée avant de vous faire ce montage. Voilà. Bon, ça y est, le petit séjour s'achève déjà. On repart du coup à la gare à pied avec les valises, mais qui sont du coup plus lourdes. Je sais pas si on va m'entendre, elles sont plus lourdes parce qu'on a les affaires d'hier, etc. Donc c'est parti, mais au moins il n'y a pas de pluie là. Aujourd'hui il pleut pas. On est bien là, il fait beau à Bruxelles. J'ai un petit peu de temps avant de prendre mon prochain train, du coup je suis dans Euralil. Et je voulais vous montrer le lieu de mon meet-up pour la semaine prochaine, donc mercredi 5 juin. Donc je vais vous emmener sur le lieu, ce sera dans le magasin Lola Lisa. Voilà, donc c'est ici, ce sera dans le magasin Lola Lisa, ça se trouve juste en bas en fait, au premier étage, enfin au rez-de-chaussée on va dire. Donc mercredi 5 juin à partir de 15h, je viens ici faire une séance dédicace de livres, vous rencontrer, on prévoit un goûter, des activités, etc. Donc voilà, et normalement on va peut-être faire une grande déco avec une large de ballons. Donc n'hésitez pas à venir vous inscrire, j'ai fait un événement Facebook, je le mets dans la barre d'infos, je l'ai déjà partagé et en fait au moins si vous êtes sûr de venir, vous inscrivez, comme ça nous on pourra voir à peu près combien il y aura de personnes pour prévoir les boissons, les choses à manger, etc. Bon ça y est, bien rentré, Greg est venu me chercher, j'ai récupéré ma voiture, je suis en train de faire la queue pour mettre de l'essence. Et voilà, du coup là on s'en va manger chez mes parents, j'ai récupéré mon ordi pour vous faire le montage de ce vlog tout de suite et vous le poster maintenant après-midi. Voilà, donc sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi pour la prochaine vidéo.